Donc nous sommes à peu près à 20 minutes, donc on va continuer, on va faire deux vidéos de 20 minutes hein, pour le coup. Donc on va vous présenter maintenant les tortues. Donc, les tortues, voilà. Comme vous le voyez, même adultes, vous suivent constamment. C'est affreux. C'est chiant. Pour dire ce qui est, c'est chiant. La hitbox n'est pas correctement codée parce que même si elle apparaît énorme, donc les tortues terrestres, elle passe sur un. Donc ça veut dire que si vous ouvrez une seule barrière, hop là, et qu'il passe, hop là, et elle passe. Alors que normalement, pour me suivre, ce serait pas possible. Donc il faut faire très attention vu qu'elle vous suive à vue. Oui, une fois que vous vous éloignez un peu trop, elle vous suit plus. Mais bon, chaque fois que vous passez à côté, elle a tendance à venir vous voir, genre câlin. Oui, non, ça non. Tu fais un œuf de tortue quelque part? Attends, faut que je trouve Fox, Snake, Turtle. Turtle. Voilà. Donc la tortue, elle vous fuit ou rentre? Bah, avant, elle fuit plus. Avant, elle rentrait dans sa carapace normalement. Mais ouais, bon. Plus maintenant. Donc vous lancez de la canne à sucre. Et voilà, c'est tout de suite. Donc on va l'appeler, c'est Donatello. Je sais plus comment c'est. Je sais pas, tente-le, on verra bien. Yes. Avec deux L, voilà. Donc comme on avait expliqué, si vous leur donnez un nom de tortue ninja, il deviendra donc la tortue avec le bandeau de la couleur du ninja qu'il est question. Et il y aura son arme sur son dos, sachant que vous pouvez l'obtenir en la tuant ensuite une fois adulte. Une fois adulte, il faut attendre qu'elle grandisse constamment. Moi, je me casse, ça m'énerve. Donc voilà, pareil, il n'y a pas de reproduction. Par contre, vous pouvez... Si j'y arrive, voilà. Mettre sur votre tête. Même adulte. Ce qui est très drôle, hein, comme vous pouvez le constater, j'ai un gros chapeau qui bouge. Elle bouge ses petites pattes. Voilà pour les tortues. Qu'avons-nous d'autre à montrer? Les serpents, tant qu'on est à côté. Les serpents, c'est pareil, vous les... Tuez. Il y a une araignée. Sérieux, mais... Et c'est moi où il nous manque des serpents, là? Non, ils sont un peu partout. Enfin, je pense pas, en tout cas, j'ai pas l'impression. Moi, il n'y a pas tout, là. Hein. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas tout. Attends, je tue l'araignée en essayant de pas faire trop de trous. Voilà. Il nous manque un cobra. Il manque le cobra. Enfin, il manque le boa et tout, tu sais. Le boa, c'est le vert. Ah non, non, ça, c'est le piton. Serpent à sonnette, ça. Attends, il est où, le boa? Celui-là, c'est le serpent à sonnette, comme vous pouvez le constater. Non, non, je parle du vert. Non, mais c'est, je pensais... Non. Il est où? Bah non, il manque le boa, en effet, il n'y a pas. Bon, le bref, boa. Dans la nature, quand vous les trouvez, vous les tuez, ça donne pareil des œufs, et que vous pouvez laisser incuber, sachant que les serpents apprivoisés, et surtout tous ou... je sais plus. Voilà, même ceux qui sont censés être, être agressifs, vous pouvez les prendre sur vous. Voilà, avec un petit bug d'animation au niveau de la profondeur et de la hitbox. Ça passe à travers mon cou, mon bras. Donc, les chats s'énervent. Donc voilà, vous pouvez... Donc on peut montrer... Attends, je vais montrer. Tu montes pas pour tout, hein? Non, j'en ai pris un. J'espère que c'est le boa, mais je suis pas sûr. Oui, parce que non, c'est celui-là, c'est le cobra. Bon, on l'a plus le cobra non plus. Non. Bah mets-le à côté d'une torche, pareil. On va le mettre là. Hein. Et donc, aussi un truc à préciser, les œufs ne se placent pas en fonction de l'endroit où vous regardez, mais de l'endroit où vous êtes. Oui, c'est pour ça que je viens de me rater là. Donc il faut que vous mettiez proche d'une torche et que vous fassiez clic droit pour qu'ils se mettent à vos pieds en fait. Flûte. Ils m'ont... En plus, j'avais un super boa qui était trop grand, qui était trop beau. Je les déteste, quoi. Pourtant, ça manque pas de lumière. Hein. J'ai torché. Non, mais c'est comme le mouton qui est rentré dans l'enclos à scorpion, quoi. C'est du foutage de gueule.
C'est fatigant. Les chats? Oui. Oh, oui, assez. Oui, il en met du temps à... Ah, ça y est, non? Oui. Voilà, Smith. Le basilic. Oui, oui, oui. Oui, enfin, là, c'est pas vraiment basilic. Ah, oh, ça va. Hein. Donc, est-ce qu'on a les... Oui, on a les requins aussi. On a les requins. J'ai pris. Non, j'ai remis une vitre. D'accord. Non, mais ça va, c'est bon. Donc, tu restes à côté pour le renommer. Et donc, je vais aller dans la mer. Donc pareil, vous placez dans l'eau. Alors les requins, c'est pareil que les serpents, hein. Faut tuer pour avoir... Voilà, tuer chaque requin, etc. Pour avoir un œuf et pour pouvoir l'apprivoiser. Donc vous faites clic droit. Et vous attendez. Donc c'est moins long que la reproduction et autres des chevaux par exemple ou des dauphins, mais c'est tout de même assez long pour être emmerdant. Un peu. Nous attendons. Oh, oh! Un très bon dauphin rose là-bas. Ah! Oui, on a eu un commentaire pour les dauphins albinos, c'est les dauphins verts. Alors, les dauphins verts, je ne sais plus si j'en ai vu, mais c'est fort probable. Par contre, le dauphin albinos, insérez toutes les insultes Peggy 18 que vous pouvez dans ma phrase. Et j'en ai absolument pas trouvé un seul. Que ce soit en reproduction, parce qu'on en a fait quand même une petite quantité, mine de rien, c'est quand même relativement chiant. On s'est quand même pas mal baladé, je trouve. Enfin, moi, je trouve qu'on s'est bien baladé, même. On n'en avait jamais vu. Et on n'en a jamais obtenu. Mais c'est vrai que dans le forum officiel, c'est marqué que normalement, il existe un albino, c'est un vert, même si vert, c'est, je trouve ça bizarre. Oui, mais bon, c'est pas grave. Oui, admettons. Mais on n'a pas eu, on n'a pas. Donc. Évidemment, on n'a pas parlé de ce qu'on n'a pas vu. Mais c'est vrai qu'il en existe normalement. Donc, concernant les requins, une fois adulte, il attaquera tout ce qui se trouve dans l'eau. Si vous y trouvez aussi, je crois. Parce qu'en fait, il vous protégera en gros. Hein. Vous pouvez vous promener avec lui. Ouais, mais je suis en game mode et puis il n'y a pas de. Bah, mets-toi en mode normal. Et puis il n'y a pas de mob. Bah, je peux te faire spawn des mobs, hein. Non, par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, bordel de merde, il y a de l'herbe sous l'eau. Mais non, c'est... enfin, c'est la terre, mais... j'ai pas... Bref, voilà. Non, c'est un problème, en fait, le pack de textures, il y a des fichiers où on peut changer certains paramètres... selon que les blocs sont à côté d'autres blocs de la même catégorie, c'est-à-dire un bloc d'herbe. Tu veux que je te montre juste le non, principe. Non, c'est bon. C'est tout con, hein, parce qu'en fait le truc c'est que je vais y arriver. Hop, mettre là. En gros, c'est tout con. Un bloc de terre comme ça, il est comme ça. Et si j'en ai 4, tu remarques qu'il y en a un avec 3 petites fleurs et l'autre qui n'a pas de petites fleurs, par exemple. C'est le système aléatoire de la Terre. Mais comme je débute, hein, j'ai pas tout bien fait comme il faut, et donc sous l'eau, bah ça donne de l'herbe aussi. Alors que, oui, et la chose marron, là, c'est de l'argile, hein, en fait, c'est pas de la terre. Hein. Et en fait, là, c'est de la terre, mais c'est de la terre sans l'herbe. Oui. Si tu veux de l'herbe. Pourquoi? Non mais pour... D'accord. En fait, ça n'a aucun rapport que ce soit sous l'eau ou pas. Si, normalement, c'est pas censé s'étendre, mais bon. C'est pas très grave. Donc, nous en étions aux serpents. Les requins, je les ai montrés également. Ouais. Ils ne se reproduisent pas. Il n'y a que les dauphins qui se reproduisent.
Il nous reste quoi? Voir les lapins? On fait les lapins? Ah, ça me fait chier de faire les lapins, mais bon, on fait les lapins. Dans la nature, dans la nature. Hein. Dans la nature. Attends, les lapins, je sais non, plus mais comment... je peux le faire dans le truc. Les lapins, je sais plus comment on fait. Ah non, mais ça s'apprivoise pas vraiment les lapins. C'est, tu vas voir, c'est tout con. Hop. Alors, j'ai fait... Parce qu'il faut savoir que les lapins sautent partout et passent partout. Je t'aime. Donc, j'ai fait une trappe en hauteur pour pas qu'ils sortent. Enfin, techniquement, ils sont pas censés sortir, mais ils sortent quand même. Hein. Tortue, snake. Oh, ça pourrait être drôle de mettre un serpent ici, mais bon. J'ai pas les lapins. Flûte. Bah, tu sais, tu fais pic-bloc sur eux et t'as l'œuf. Oui, faut-il encore réussir à faire pic-bloc sur eux? Voilà, un lapin. Alors, s'ils veulent bien arrêter de m'embêter, les lapins, il suffit d'avoir un lapin normal. Et de faire ensuite, clic droit sur le lapin, vient là, il le met sur sa tête, et en fait, une fois sur la tête, une fois sur la tête, il demande à être renommé. Donc voilà, vous avez votre lapin. Et quand vous mettez plusieurs lapins ensemble dans une même... dans un même endroit, assez serré quand même, ils se reproduisent constamment comme des lapins. Comme des lapins. Donc moi j'ai fait le truc, ils ont l'air d'apprécier les blocs d'un, les trous de blocs d'un pour se cacher. Je trouve ça assez rigolo en fait. T'as refermé? Ok, hop. Mais ils sont pas censés sortir de leur enclos là. Mais quand il y a trop de bébés, j'ai l'impression que ça bug et ça arrive à sortir quand même. C'est affreux. Et donc oui, les lapins sont également la proie favorite de tous les mobs agressifs de mots créatures. Donc en gros, je l'avais déjà expliqué dans la présentation des animaux passifs, mais si vous voulez être tranquille, vous mettez un lapin dans un endroit, tous les mobs vont vont l'attaquer et vous pourrez passer tranquillement. Bah juste pour la démonstration. Ou presque tranquillement. Hop, je mets le lapin sur ma tête, ok, hop, je l'enlève de ma tête. C'est pas vraiment un agressif lui hein. Et mais il attaque quand tu même. Vas voir pas agressif ouais. Et le donc oui pardon les agressifs et les neutres également, enfin les neutres pour vous ils attaquent également les lapins hein. Les lapins ils aiment ça. Ah oui. Donc en fait ça c'est le bon truc, si vous êtes attaqué par un mob, vous avez un lapin sur votre tête, vous lâchez le lapin et le mob attaquera le lapin. Aussi autre, on l'avait déjà dit en anecdote, mais on le répète, si vous mettez un lapin sur votre tête et que vous montez sur une monture, je crois que ça marche sur toutes les montures, oui, d'ailleurs. Ça va très très vite. Vous allez très vite. Mais quand on dit très très vite, c'est aussi très très incontrôlable. Très. Vous ne pourrez tout simplement plus contrôler la monture, donc quand c'est les chevaux, ça peut être drôle. Ça va encore, c'est contrôlable, mais assez dangereux à faire. Mais alors, les autruches, vous partez dans le mur souvent. Très souvent. Tu prends des graines de blé? C'est bon, les graines de blé. Voilà. Je jette les graines de blé, et là, hop, là, miracle. Ah, c'est moi qui me le tape. Ah. J'ai en vert. Je sais pas lequel j'ai pris alors donc. Pas grave. On va faire bird et puis comme ça. Ah bah c'est le vert. Bon bah oui, effectivement c'était le vert. On renommera ça après de toute façon. Oh merde. Voilà donc il suffit de lancer des graines et ça les apprivoise. Ils restent donc dans un emplacement assez restreint, comme on a pu le constater avec les quatre oiseaux qui sont ici. Ils restent dans le pré. Ils ne sont pas sortis. Par contre, ils peuvent voler en haut des arbres. Ils aiment bien monter sur les arbres, c'est vrai. Donc voilà, ils s'éclatent comme des petits fous. Normalement, dans le forum anglais, c'était marqué qu'ils avaient réglé
le pourcentage de chance d'apprivoisement d'un oiseau avec les graines. Mais comme vous avez pu le constater, ils ont mangé chacun une graine, on les a apprivoisés, donc je suis pas sûr que ça ait très bien marché. Et donc, comme je vous l'avais montré, les oiseaux vous permettent de planer. Hop, une fois que vous l'avez sur la tête, ça permet de planer. Comme vous voyez, je me suis retiré, j'avance tout doucement, c'est très drôle. Oh, je te vois, tu Vous tombes pouvez le tout faire en fait à la doucement. Mary Poppins, en gros. Quand vous faites clic droit, vous retombez. Et je crois que vous pouvez les prendre également quand vous êtes sur une monture. Mais je suis pas sûr de ce que ça fait par Bah, contre. tente sur zombie. Ah, si j'arrive à prendre dos. Si, il me semble que ça fait un truc. Oula, ça augmente aussi la Oh la vitesse. vache! Oulala. Là là. Et donc quand je vous disais que c'était assez incontrôlable, Reviens, je reviens. Donc ça augmente. Aïe! Au secours! La vitesse. On va se. Ouais, parce que J'ai mal au cœur! on va faire vomir nos viewers là. Donc voilà, et donc les lapins ça augmente également la vitesse Comme les comme vous avez zombies. pu le constater. Et ça devient rapidement très incontrôlable. Et donc non, j'ai rien dit, les chevaux, c'est pareil. Donc je ne sais pas combien nous sommes. Au pire, je vais montrer, c'est pas très grave, comme ça ils verront quel logiciel j'utilise. Donc nous sommes à 36 minutes. Donc il nous reste 4 minutes pour faire les dragons de Komodo et les éléphants. Les dragons de Komodo, on vient de les faire. C'est vrai, donc les éléphants. Donc les éléphants. C'est Alors, Alzheimer. oui, c'est pas grave. J'ai pas les œufs d'éléphant, évidemment, sinon c'est pas Alors les drôle. éléphants, je t'avouerai que je ne me rappelle plus du tout. Attends. Voilà, alors, les œufs d'éléphant. Chope T'as fait. les cookies et les gâteaux. Les cookies, juste pas les gâteaux. Les cookies, bon bah les cookies alors. Là t'as. Alors il faut les bébés éléphants, alors je suis pas sûr que ce soit assez petit. Non, ça sera pas assez petit. Ouais, Encore moins. super. Oui, il Ah, faut. lui. Non, c'est pas les cookies. C'est pas les cookies? Oh bordel. On l'avait pourtant fait la vidéo de présentation, on fait chier. Ah, il y C'est a un truc. trop de bestioles, on se souvient plus. C'est un truc con encore. On va refaire une petite coupure. On revient une fois qu'on saura. Parce que voilà. Mais c'est vrai que y a des graines maintenant qui sont données. Donc voilà. Mais il y a trop de bestioles, il faut se souvenir de tout ce qu'il faut donner à toutes les bébêtes, mais c'est pas possible, enfin. À tout de suite. Heureux. Donc on a vu en fait c'est J'avais à moitié raison. des gâteaux ou des sugar lumps. Par contre c'est pas un seul, il faut lui en donner une Plusieurs. petite dizaine d'après le créateur, enfin 10 même. On a déjà Dumbo, Daisy. Allez, Daisy. Ce sera Vigneron. Vigneron? J'ai Quel est plus. le rapport avec la choucroute, s'il te plaît? Il n'y a aucun rapport. D'accord. J'ai juste plus d'idées. C'est chiant possible. Donc voilà. Donc vous lui donnez des sugar lumps ou des gâteaux. Donc c'est 10 sugar lumps ou 5 gâteaux. Quand ils sont éléphantaux, bien entendu. Et ensuite ils vont grandir, grandir. Et à la fin, vous pourrez leur placer donc soit la selle avec. La plateforme pour monter à deux, Alors, soit la selle avec juste la selle pour monter seul, soit le truc indien, mais c'est sur un éléphant un peu moins grand. sur l'éléphant indien, il a une espèce de tache rose sur le. Tiens, regarde sur ton bébé éléphant là. L'éléphant indien, il a une tache rose sur le devant, sur la trompe, en fait. J'ai pas l'impression Enfin, là-dessus. si, enfin, c'est un peu plus clair, on va dire, sur le devant de la trompe là. D'accord. Voilà. Et il est plus petit que les autres. On rappelle. Prends les différents trucs peut-être éventuellement. Voilà. Je pourrais pas les mettre, mais oui. Non, mais c'est pas forcément pour les mettre, c'est pour rappeler que les éléphants, donc l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie, on peut leur mettre que la selle normale ou la selle avec les décorations indiennes.
Voilà, et vous pouvez également mettre hein, les coffres. Les coffres, mais c'est pas comme les chevaux où vous rajoutez un coffre, c'est bien entendu le chest set. Donc j'ai récupéré une clé, voilà, il l'a mis de l'autre côté. Et vous avez donc un inventaire de deux cases. Donc, enfin de deux lignes. Donc, si vous en mettez un de chaque côté, vous avez un inventaire complet de 4x9 blocs. Ce qui peut être très intéressant, finalement, de monter sur un mammouth. Enfin, sur un éléphant. Et par contre, les mammouths, comme vous le voyez, ils sont vraiment différents. Ils ont du poil en dessous. Donc, il faut leur mettre une selle normale. Mais par contre, il faut mettre au-dessus une plateforme. Donc, c'est ceci. Mammouth plateforme. Et sur ça, vous pouvez monter à deux. On va le faire. On va essayer parce que chaque fois, moi, je me fais... Alors attends, deux secondes, je vire un truc de mon inventaire, histoire d'avoir l'inventaire vide. Vas-y, mets-toi. C'est quoi déjà? C'est clic droit. Clic droit ou... normalement, ou sur la plateforme ou autre. Oh, j'y arrive jamais. Alors voilà, c'est relativement relou. Il faut faire asseoir l'éléphant, comme on avait déjà dit, et il faut... Mets-toi en vol, en créative, et essaye de me placer directement par-dessus, en fait. Ah, faut quand même que tu le... J'étais voilà déjà... Ah, mais j'ai pris ta place. Bah, vas-y. Alors, on fait comment Alors, moi, pour s'asseoir, il faut faire ça, il faut faire accroupi, en fait, mais pas trop. Ah, merde, je suis descendu. J'ai doublement accroupi, en fait. Vous vous accroupissez une fois, en fait, et c'est... Ah, ça y est. Voilà. Ah, non, en fait, il faut s'accroupir. C'est pas clic droit, il faut s'accroupir aussi. Il faut s'accroupir. Donc, en fait, il faut s'accroupir à côté de l'éléphant... Et en fait, une fois qu'on s'accroupit, tu on fais monte quoi, toi sur... Ben, rien du tout. Là, je ne fais rien du tout. Alors oui, on avait dit que le mammouth à deux, c'était ignoble. Voilà, donc en fait, comme vous voyez, quand je tourne la tête, Nash tourne sa tête également. Le mammouth, là, personnellement, il avance tout seul. Je ne fais absolument rien pour le faire avancer. Je tourne juste la caméra. C'est n'importe quoi. Et... Oh bordel. Oui, et vite. Ah, je suis tombé. Tu es tombé. Oui, je suis tombé. Je sais pas. Bah, oui, bon, bref. Ouais, bah, c'est pas encore très au point, cette histoire. Bah, c'est hein pas très au point. Et franchement, là, le contrôle est ignoble. Et par contre, vous pouvez également mettre des armures. Enfin, des armures, des défenses à... Des protections de défense, on va dire. Des wood tusk, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, vous pouvez mettre donc des protections de défense en bois, en fer ou en diamant à votre éléphant. Enfin, à votre mammouth, pour le coup, parce qu'à l'éléphant, vous pouvez pas. Ils ont des défenses trop petites, bien que le... Non, on avait déjà testé. J'avais testé, hein, mais je crois que ça marchait pas. On va retester, au pire, ils vont nous faire mentir. Non. Non, par contre... Voilà, comme vous voyez, ça marche. Et ça permet de briser les blocs, les murs et tout, et de faire plus de dégâts aux ennemis, parce que vous pouvez faire charger. Alors quand je dis charger, c'est juste que vous avancez en direction de l'adversaire, en étant sur le mammouth, et l'adversaire va prendre des dégâts. Et va se faire éjecter. Et ça marche pour tout, genre les blocs, les arbres... Bah, c'est simple, quand on est sorti pour faire l'introduction en screen, tout ce qui est là, on l'a détruit sans le vouloir. Oui, à peu près, oui. Parce qu'on se déplaçait juste avec un mammouth. Voilà, donc c'est sympathique, mais un poil destructeur quand même, le mammouth. Hein. J'aime beaucoup, mais... avec ça, c'est lent hein. Alors comparé aux chevaux qui vont trop vite, disons que les mammouths c'est lent, mais ils ont un inventaire aussi grand que le vôtre. Ouais, mais ça, donc ça permet d'avoir, si c'était contrôlable là, c'est juste pas possible. Oui, mais ça permet d'avoir quand même deux inventaires. Ah oui, on est d'accord, mais bon, donc même si vous montez pas dessus, vous pouvez en prendre un avec une corde. Oui. Et avoir un inventaire portatif avec vous. Voilà. Parce que les chevaux et les mulets n'ont que deux lignes. Oui, je sais, mais c'est vrai que
Monter dessus, ça relève vraiment du défi minecraftien. Oui. Donc, c'est tout. On a tout fait là ? Sérieux ? On a fini ? C'est fini ? Visiblement, oui. On a fait les tortues, les chats, les renards, les lapins, les requins, les dauphins, les chevaux, les autruches, les dindons, les pandas, les chèvres, les oiseaux, les scorpions, les dragons de Komodo, les serpents, je sais plus si je les ai déjà dit, les gros chats, les lapins, les éléphants et les mammouths. Donc oui, on a tout fait. Oh la vache. On a fini le tutoriel, les enfants. C'est pas beau, ça la vie. Putain, ça me donne envie de danser, tiens. Wouhou, je danse à côté de Bob et de Tony. Oh. De Bob. Bob, sérieux.